à votre service. On se retrouve ici pour une nouvelle vidéo de Rune King League of Legends Story. On s'était laissé après avoir parcouru une bonne moitié de l'île de Typhon. Après avoir été échoué parce que on a eu une grosse tempête à l'arrivée. Et du coup, on va continuer notre route. Okay. Ah mince. Bon, si ça va marcher hein. Il ne reste plus qu'une dernière fois. Pas marché, on dirait. Je vais en profiter pour régénérer le pépère. Enfin, la potion. Voilà. Ah non, il est pas drôle. Il est pas drôle. Bon, c'est pas grave. Au moins, ça c'est fait. Ah non. C'est pas drôle tout ça. Bon. Les araignées. C'est combattre. Je vais essayer d'attendre. Il y a hâte. Il y a traçant derrière. Ah. Un drôle celui-là. Oh, t'es pas mort, c'est pas bon. Ouais. D'accord. Tiens, t'as pu attaquer. Trop facile. Pas possible, ça. Tiens, par contre, il nous donne bouclier. On va voir ce que ça donne. Et ça, aussi rapide qu'un renard. Pas mal du tout. Ça c'est fait. Combien d'araignées? Oh des jeunes, ça devrait être. Est-ce que toi t'as un ultimate qui fait je tape tout le monde? Non, t'as pas tout le monde. T'as le deuxième et le troisième. D'accord. Ça va? Oh bah chacun son tour. Ouais, chacun son tour. Allez, hop. Ah
C'est tout ce que tu peux faire. Hop là. Allez, massive attaque pour tout le monde. Ils ont eu ce qu'ils méritaient. C'est fort ça. Aïe, achevez-moi ça. Ah bon, pardon. Aïe, on va essayer d'acheter tout ça. Merci. Nous sommes dignes. Ah, il faut quelqu'un de fort, c'est-à-dire qu'il nous faut Brown, pas le choix. De toute façon, on va y revenir parce que j'ai oublié un texte là-bas. Donc on va y revenir. J'espère simplement que ce sera rapide de passer par là. Attendre. Ah, nous on a même un point de repos. Oh bah c'est parfait. C'est parfait. Quoi là-dedans? Rapporter la bénédiction du vent. Bon. Allez, petite pause. Oh bah si, on va faire du tour rapidement alors. On va manger un repas, on va se couper de ça. Et tout le monde se repose. Ce qui est le problème, c'est qu'on va se taper les araignées, mais c'est pas grave. Ça devrait se passer. Brown a remarqué que tu le regardais. Tu as besoin de quelque chose? Tu veux savoir à quoi je pensais, mon grand? peut-être pas en public. Du calme, Brown. Je pensais juste à tes histoires. Des trolls et des dragons, des monts de glace et de neige. Avant toi, ce n'était pour moi que des légendes. Je rêvais de naviguer autrefois, de voir des terres lointaines. Mais Bilgewater est devenu tout mon monde. Alors tu dois te rendre à Freljord. Brown sera ton guide. Nous aurons des tas d'aventures. Oh, doucement, tu veux? Une aventure à la fois. Ionien, tu manies la lame efficacement. C'est un grand compliment venant d'un assassin expert. Un tueur en reconnaît toujours un autre. Je suppose que c'est vrai. Mon maître était le plus grand des épéistes. Je ne suis que son ombre. Il n'y a rien de mal à être une ombre. Oui, il est parfois utile de ne pas se faire remarquer. Ton maître est mort, donc. Oui. Et d'après certains, de ma main. Tu cherches à le venger? Qu'est-ce qui te fait penser que je ne l'ai pas vraiment tué? Je ne pense pas. Ah. Au moins l'éventreur des abysses me croit. Oui. Il est très sincère, hein. Il dit ça. Ok, bon. On peut être un adversaire. Enfin. Pike, j'avais tort en ce qui te concerne. Et je ne suis pas le seul. Tu as été un allié utile. Tout le monde est indispensable pour mettre fin à tout ceci. On ne te faisait guère confiance quand tu nous as rejoints. Tu t'es montré digne de la cause. Tu parles comme la prêtresse. Je ne parle pas de la même dignité qu'elle, mais de celle du guerrier. C'est vrai. Mais ce n'est pas ma vocation.
Peut-être dois-tu en changer. Tu ne m'as jamais vu travailler. Un jour, peut-être. Non, merci. Je préfère notre arrangement tel qu'il est. D'accord. Bon. Donc on a ça en face et après on est arrivé. Ah oui. Mais avant tout, on va changer les membres. On aura besoin. On va enlever ça. Ça, on va un peu faire souffler tout le monde. De toute façon, on aura besoin d'Azur. Voilà. Donc ce sera Pike et Brom qui va venir. Et après, on changera encore, je pense. Donc là, je vais d'abord récupérer un peu ce qui se passe. Le dernier objet. Enfin, la zone auquel on n'a pas pu explorer. Donc là, Brom s'y colle. On va d'abord s'occuper de ces types. Voilà du pain sur la planche. Ouais, on va farmer un tout petit peu. Mais un tout petit peu, quoi. Voilà. De toute façon, après, on va se régénérer. Hein. Ce ne sera pas. Ça a toujours été fort. Je ne m'en lasse jamais. Ça a toujours été fort cette attaque. Ça brome! Oh, je crois que tu fais une smette, c'est pas grave. C'est comme ça qu'on fait. J'essaie de mettre ultimate de bronze. Autant que possible. Ça c'est bien joué. Ah, je me disais bien, est-ce que t'étais mort? Je ne crois pas. Oh, j'ai pas l'autre attaque. Tant pis. Par contre, Azio, essaie pas mourir, stop. Ça serait bien. L'appel de la tempête. Je cherche. Voilà. Ouh, mais on a un gros là. Toi, hélas, on n'évite pas le combat. J'aurais peut-être dû sauvegarder. Je sais pas, avoir sauvegarder. Par contre, Yasuo, ça se passe bien.
survivre un peu. Ils vont couler. Au pire. Heureusement, j'ai fait un bouclier à tout le monde. Juste le gars en bas. Ouais, il faut faire par scission. Toi, tu as scission ou pas? De base. Un pic gros, effectivité. Ok, faut d'abord faire ça. La marée baisse. Je ne m'en lasse jamais. Ah, c'est bon. La liste se réduit. Toi, t'as scission, toi. Profondeur appelle. Je resterai à terre à leur place. Allez, achève-moi ça. Ce n'était qu'un obstacle. D'accord, ça c'est pas prévu ça. On aura 3 vagues. 4! Ça va être dur ça. 3 ans, je vais commencer à tout le monde, mais. Ça craint trop, faut qu'on s'enfuit. Et faut que Brown fasse le bouclier. Je préférerais être à l'auberge. On va vous montrer. Au moins, ça c'est fait. Joli crochet. Ça me fait sourire. Une bonté inattendue. Merci. Efficace.
Alors ça peut percer la défense, c'est ça le truc. Ils vont couler par le front. Je veux les entendre supplier. Pas toujours ça arrive, on va en profiter. Désolé. Il est mort. Ça suffit. Trop facile. Reste encore deux autres lags. Dommage. Je me suis presque noyé. Ça va, j'allais dire. Chaos, si j'aime. Ça, c'est fait. Rapide, comme la vengeance. Ah, il ne reste plus qu'à la dernière vague. Et mon épée. On a encore des boucliers, mais ça tienne. Tu as peur. C'est bien. Par contre, faut se protéger. Yasuo. La liste se réduit. C'est surtout j'essaie de pas trop utiliser de potions pour le combat suivant, surtout contre les gens. Vous voyez Topo. Donc c'est pour ça que j'essaie de faire vite. Ça c'est fait. Ouais, hop. Désolé. Ouais, désolé de ne pas pouvoir utiliser l'ultimate de Pike ou de Yasuo. Pour les bons amis. Eh bah voilà. Bon. Une petite pause et puis on va en finir, je pense.
Déjà, on va se régénérer parce qu'on a eu beaucoup de combats hein, pour une petite zone hein, quand même. Donc, on va changer les membres. Comme j'ai dit, on va garder ça. On va juste enlever Pike. On va mettre Miss Fortune. Et puis, on va voir. Hein. Si ça craint trop, Miss Fortune devra partir pour remettre Illaoi. Voilà. Donc, manger un repas. Ouais, je sais, j'ai pas beaucoup utilisé ça, mais ça peut se régénérer. Donc, oh. Par déverrouiller. Ah, d'accord, on a ça. Oula. Quoi ce délire? Bon bref, on va sauvegarder. Et puis on repart. À tout de suite. Qu'est-ce que... Non. Non, pas pour toi. Ah, t'as ça. Est-ce qu'il est meilleur? Oui. Il a... Oh non. Pike, oui. Largement meilleur. Oh, pardon. Non. Non. Je sais vérifier si je n'ai. Ah, c'est ça. Peut-être c'est utile. Ah, par contre. Oui. Non. Non. Ok. Ok. On va voir avec ça. Hein. Qu'est-ce que ça veut donner? De toute façon, je vais sauvegarder. On va voir ce que ça donne. Je ne devrais pas être ici. Quelque chose ne tourne pas rond. Ce ne sont pas les courants qui me parlent, mais les échecs. Yasuo? Notre pouvoir est le mouvement. Tu es immobile, paralysé par la peur. Tu es indigne de ce pouvoir. Le vent me sert. Le vent a pitié de toi. L'apathie et l'hésitation sont ses plus grands ennemis. Qui êtes-vous? Je suis celui que tu veux que je sois. Celui que tu crains le plus de revoir. Non, pas encore. Non, mon frère. Yone. Tu ne comprends pas. Tu as raison. Je ne comprends pas. Quelqu'un sait ce qui se passe ici? Ce lieu se nourrit de la peur. Les vents sont comme les fils du temps. D'accord, et en jargon compréhensible? Le passé de Yasuo l'a une nouvelle fois rattrapé. En duel! En duel! Ok. 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 On va voir ce que ça vaut. Hein. Je risque de faire plusieurs tentatives. Qu'est-ce que tu vaux?
position de Yone. Ombre de Yone. Donc, notre ami, c'est premier si Yone est touché par une tempête, compétence, s'il y a une tempête armée. Que tempête d'acier. Tempête de foudre, allez soutenir, faut commenter. Ça aura pas avec la tempête. En pièce. Non. Non, c'est ça. Tempête d'acier. Très difficile, hein, je tiens pas la route. Je dois tout miser. Leur fin est proche. Très compliqué. On va faire que ça. Ça risque de secouer. Si j'arrive à tenir, ça va faire. Je peux pas faire plus. T'as un ultimate, on va l'achever. J'accepte mes erreurs. Et les erreurs des autres.
et tu avances un peu plus vers ta destinée. Est-ce que tu as dû refaire ton choix ? Oui. Par le passé, quand j'affrontais mon frère, j'étais confus et empli de rage, puis de regret. Mais maintenant, tu es calme. Ma foi, c'était mouvementé. Retournons au navire. L'équipage a dû terminer de le réparer. Yasuo, je suis ravie que tu aies pu affronter ton passé. J'ai une dette envers toi. Sans ce voyage, j'aurais été perdu pour toujours. Seul. Nous avons fait du chemin. Mais la guerre contre le roi déchu commence à peine. Quoi qu'il advienne, je ne partirai pas tant que tu n'auras pas trouvé ce que tu cherches. Je te le promets. Avec Yone, j'ai passé ma vie à traîner mes regrets. Toi, plusieurs vies. J'ai appris l'importance d'aller de l'avant. Maintenant, la question est, comment aller de l'avant sans sacrifier la mission la plus importante? Je pensais devoir connaître mon passé pour me connaître moi-même. Tout cela semble si insignifiant à présent. Tout ce que je sais, c'est qu'on ne peut pas laisser Bilgewater finir comme les îles bénies. Ensemble, nous réussirons à l'empêcher. Oui. Ensemble. On dirait que le navire est prêt. Si nous partons assez vite, et s'il n'y a pas d'autres interruptions, on devrait pouvoir arriver à Bilgewater avant le roi déchu. On te suit, capitaine! Quelle douce musique à mes oreilles. Bon. Bon, bah on va faire une petite pause. Je vais récupérer le dernier livre. Et puis après on va aller retourner à Bilgewater. Voilà, à tout de suite. Je ferai ça en off rapidement. Ce sera une petite coupure qui va peut-être prendre 10-15 minutes, mais pour vous ce sera pas grand chose. Ce sera à peine une seconde. Voilà, à tout de suite. Juste avant de partir, j'ai récupéré tout ce qui reste comme histoire, au fait il y en a eu 3, et je n'ai également profité pour augmenter le niveau à tout le monde. Voilà, allez, en plus j'ai acheté quelques objets histoire de... C'est vrai qu'il y a encore des choses à régler maintenant.
Mais j'ai l'impression que... J'ai l'impression qu'il reste encore des choses à faire. Ouais, on va aller là-bas. Et une fois que j'aurai terminé avec cette histoire, je vais finir les quêtes secondaires. Il y a deux ou trois petits trucs à récupérer. Rien de surmontable, comme d'habitude. Qu'à attendre, hein. Vous connaissez le temps de chargement. Hein. Bienvenue à Bilgewater, Gangplank. Ma Bilgewater. Ce n'est sûrement pas la fête d'accueil à laquelle tu t'attendais. Fortune. Je ne suis plus l'homme dont tu as coulé le navire il y a des années. Je n'ai plus d'orgueil. Il ne reste que ma destinée. Si je dois arriver enchaîné, d'accord. J'ai toujours des amis dans cette ville. Je reprendrai vite le pouvoir. Tu sais quel est ton problème, Gangplank? Ces vieux amis, justement. La plupart travaillent pour moi maintenant. Et ils semblent préférer ça. Oh, Fortune. Ils ne respectent pas l'ordre et la paix. Ils attendent juste le bon moment pour te planter un couteau dans le dos. Enferme-leur, Afen, dans une cellule étroite et humide que le soleil n'éclaire jamais. On se reverra, Fortune. Je n'en doute pas. Quand on te pendra. Tu devrais me laisser le tuer maintenant. Personne ne croira qu'il est mort si je ne le tue pas moi-même, en public. Et ça attendra que Bilgewater ait survécu à la menace du roi déchu. Je vais aller voir mon peuple. Ils m'aideront peut-être. Maintenant, j'y pense. J'aurais peut-être continué les quêtes secondaires. J'ai encore d'autres trucs à régler, en tout cas à récupérer. Donc je pense, après ces cinématiques, on va finir les quêtes secondaires. Enfin, il y en a d'autres trucs à récupérer. Les nuages noirs s'amassent à l'horizon, Ilaoi. Comme une vaste et cruelle nuit de l'horreur. Bien que vous m'ayez aidé, je n'ai pas réussi à l'arrêter. Un ancien roi est apparu, et son cœur est plein de rage. Et tu viens de nouveau me demander de l'aide. Oui. Nous avons une puissante amulette qui peut contenir le roi, mais elle est corrompue. Je doute qu'on puisse la réparer ici à Bilgewater. Nos temples n'ont pas assez de puissance pour purifier un tel mal. Puis-je la porter au Capitole Bourreau? Je ne peux le permettre. Une telle relique attirerait aussi la rage du roi sur notre peuple. Il est plus sûr d'évacuer Bilgewater que de la sauver. Mais, doyenne, je connais un autre lieu sacré de Nagakaburos. Dans le temple de la purification, j'ai découvert l'existence d'une ancienne forge bourreau sur les îles obscures. Quelle est cette forge? Est-ce un lieu puissant où nous pourrions purifier l'amulette? Tu ignores tout de ce lieu, parce qu'il est interdit. Il a été abandonné par nos ancêtres. Vous m'avez offert l'aide des invocateurs de serpents, mais la forge, c'est trop! Nous ignorons où elle se trouve. Cet endroit est haï par Nagakaburos. Doyenne, depuis que j'ai quitté Bilgewater, je prie pour avoir une autre vision.
mais elle est silencieuse. Son enseignement, mes vieilles croyances, tout est étrange et voilé. Mais je crois que la déesse veut que j'accepte mes doutes, que j'aille dans les lieux interdits pour en exhumer les vérités oubliées. Elle me met à l'épreuve. Je la servirai en prenant des décisions difficiles, en écoutant mon instinct. Je trouverai la forge, je purifierai l'amulette, je piégerai le roi déchu. Les anciens tabous ne m'arrêteront pas. Très bien, Rafen. Tes hommes ont besoin de quelque chose d'autre ? On est pareil, capitaine. Les équipages distribuent les fournitures. Cette ville a déjà survécu à une nuit de l'horreur. Elle survivra encore. Ilaoi ! Bienvenue dans la salle de guerre. C'est la première fois que j'en vois une. Qu'ont dit tes doyens ? Nous aideront-ils à purifier l'amulette ? Ils ne peuvent pas. Quoi ? Pourquoi ? Il n'y a pas de site de rituel assez puissant à Bilgewater. On pourrait utiliser la forge Bourou à la place, mais... c'est interdit. Ils refusent de me dire où elle est. La forge dont tu parles, elle est sur les îles obscures. On n'a aucune chance de trouver cet endroit. Nécrit. Lui, il saurait. Oui, ce vieil esprit connaît tous les recoins de son domaine. Nous devrions retourner le voir. Bon, mais ce lieu interdit... il est interdit... jusqu'à quel point ? Je l'ignore, et ça m'est égal. Nagakaburos aime le mouvement. Nous allons donc passer outre cette interdiction. Nous allons apporter de l'agitation à ce lieu ancien et oublié. Dans une telle mission, je suis honoré de vous avoir tous à mes côtés. Préparons-nous à un autre voyage, puis forgeons une arme pour battre le roi déchu. Fortune, tu fais un bon chef. Je croyais que tu détestais les capitaines, le concept même de chef. Les gens de Bilgewater, tu ne les laisseras pas se noyer. Certains... couperaient la corde, laisseraient les faibles couler. Oui, mais pas moi. Alors quoi ? Tu vas simplement me rayer de ta fameuse liste ? J'espère. Tu es à la fin. Il y a beaucoup d'autres coups à trancher entre le roi déchu et toi. Ah, tu me tueras en dernier ? C'est gentil. Non, ce n'est pas gentil. Mais merci, Pike. Toi et moi, on a plus en commun que je ne pensais. Quand tout ça sera fini, on pourra peut-être conclure un arrangement. Je ne pense pas. Tu restes, capitaine Fortune. Je l'entends m'appeler avec force.
sens qu'elle m'attend. Ah. Bridgewater. Désolé pour cette petite coupure, mais bon, j'avais pas grand chose à dire. On va se barrer d'ici, déjà. Donc il va falloir revenir jusqu'au port englouti. Super. Qu'est-ce qu'on va faire? Vu qu'on va avoir une grosse attaque contre le roi déchu, Viego. On va d'abord s'occuper de ça. Oh, pourquoi tu râles comme ça, Pike? Il fait de son mieux pour ne pas tous vous tuer. Oh, je n'aurais pas dû dire ça. Ah, c'est noté. Retiens-toi, Pike, retiens-toi. Qu'est-ce que je suis censé dire? Ah oui. Ben, j'ai la vague impression que... Bon, Bridgewater sera un peu calme. On est arrivé avant le gros combat. Donc, ce que je vais faire, je pense... C'est que je vais faire une... Je sais pas si je dois faire la vidéo, ça me paraît assez court, mais... Je pense... déjà on va revenir au quartier parce qu'on peut pas aller à... Il n'y a pas de téléporte. Hein. Il n'y a pas moyen de se téléporter. Donc je pense qu'il est probable qu'on va arrêter la vidéo ici, même s'il me paraît un peu court. Quoique ce que je vais faire, c'est que on va, comme je vous ai dit, on va s'occuper des quêtes secondaires. Il y a des choses à récupérer un peu partout dans les îles, mais on fera les îles englouties en dernier. Donc je vais voir si je peux récupérer déjà des armes légendaires, parce que oui, il y a bien des armes légendaires, donc il faudra les récupérer. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a d'autres petites quêtes à finir, donc toi petit trophée relativement facile à faire. Donc voilà. Et j'ai trop s'en débarrasser. Avec Rome, vous êtes en sûreté. Et j'ai trop s'en débarrasser ces clowns. Que quelqu'un nettoie tout ça. On gagne pas, on gagne rien du tout. Hein. Là. Parce que il y a des choses à faire là-dessus. Ce que je vais vous montrer faire maintenant, c'est on va changer. Je sais pas comment ça se passait pour les arènes, mais chacun va affronter un gars des arènes, histoire de un peu tuer temps et faire une petite pause dans la quête principale. Et puis
Et puis je pense que après un combat, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo. Elle sera un peu plus courte que les autres, mais vu l'importance de la suite, je préfère garder un peu des munitions pour plus tard. Donc, ce que je vais faire, c'est que chaque personne va affronter un monstre. Puis on verra bien. Ça devrait faire, c'est pas trop dur. Ah, par contre, il m'envoie un petit clown. Hein. Les amis, mon bouclier est là pour vous. Bon, ça va alors. 314. Allez, on va vraiment faire dormir. Aïe, bonne nuit. Rome va vous montrer. Bon combat pour les bons amis. On n'a rien à gagner, hein, juste quelques matos. Attends, j'aurais qu'à voir, hein, prise du jour. Miss Fortune. Il y a toujours un problème. Mais il y a toujours des balles pour aider les soldats. Allez hop. Oh, plus dur que prévu. D'accord. Ah ah, tu veux faire de la résistance. Ok. Pas comme ça. Qu'il ne se relève pas. On gagne pas beaucoup, je trouve. Ok. Ah, j'ai plus de thunes. Ah, et 265. Ok, c'est pas grave. C'est pas grave. On y reviendra quand on a un peu plus de sous. C'est vrai que payer là. Un peu énervant. Alors, est-ce qu'il y a des choses à vendre? C'est vrai qu'ils ont vendu des enchères. Faites une pause si jamais j'ai loupé la conversation. Ah, ils sont trois. Ah, ils sont trois, c'est pareil. Hein. Le prochain va être Yasuo.
Il croit pouvoir me diriger ? Ah, vu qu'ils sont niveau 14, ça commence à être un peu... sérieux. Ah d'accord, angoisse, position poison. Bon. On voit dans leur figure. Nul n'arrête le vent. Pistolet de l'aventure. Champion de l'arène. Ouais, Gazio. On va voir. J'ai assez de thunes. Et après, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Quoique j'aimerais bien quand même engager Braun et trois autres. Toujours rester un pas devant le passé. Non, on va faire ça. Rapide, comme la vengeance. J'aurais dû être un poète. Peut-être la prochaine fois. Si je mets Yasuo, j'en aurai pour 1750. D'accord. Bon, on verra plus tard. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vendre les objets que j'ai gagnés, puisque c'est pas grand chose. Et puis après, on va s'arrêter cette vidéo, je pense. Hop là. Donc on va s'arrêter sur cette vidéo, j'espère que celle-ci vous aura plu. Elle sera peut-être courte, mais bon, c'est pour la bonne cause, hein. Les prochains vont être assez difficiles. Voilà, donc les prochaines vidéos, ce sera récupération des objets secondaires, je pense. Et sinon, quelques petits trucs à récupérer par-ci, par-là. Voilà, sur ce, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et puis on se dit à la prochaine pour une vidéo de League of Legends Story. Ogun King. Bon, je lui dis à l'envers, mais c'est pas grave. Salut à tous.